Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes la compagnie Eugène Productions et ceci est Impro, le spectacle d'impro. Un mot commençant par la lettre T. Tyrannosaure. Il est là, juste en face de nous. Le premier spécimen. Il rit très très fort. Oui. Mais n'ayez crainte. Il est derrière de solides barreaux. Solides à quel point? Au point que vous êtes en sécurité ici. C'est une mère de famille. Oh. Regardez derrière elle. Oh. Il y a deux petits qui font trois fois notre taille, mais deux petits quand même. On peut les nourrir? Oh oui, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut les nourrir? S'il vous plaît. Oui, bien sûr. Prenez les cochons juste là. Tenez. Ah oui. Allez. À travers les barreaux. C'est machiavélique. Oh non, je me suis attachée. C'est beau la nature. C'est la première fois qu'il mange du cochon. Il n'y en avait pas à l'époque. C'était des sangliers. C'est pas naturel. C'est contre nature, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oh, c'est ça. Exactement. Il n'y a plus de dinosaures sur Terre. Ça n'a pas l'air de passer, le cochon ne passe pas. Le cochon ne passe pas là. Il fait une indigestion. Différent. Comme tu as 16 ans maintenant, ouais. Je te propose de rentrer chez les bonnes sœurs. What? No way, no chance. Mais enfin, ma chérie, tu m'as dit que j'étais la meilleure mère du monde. Enfin, fais-moi confiance. Non, mais... Moi, j'ai une éducation chez les bonnes sœurs de mes 8 ans à mes 18 ans. C'était super. Oui, d'accord, mais résultats? Les résultats, je suis devenue la mère la plus cool du monde. Oui, mais tu n'es qu'une maman. Et moi, je voudrais être maman et femme et amie et sportive et étudiante et peut-être avocate et... Enfin, avoir une vie complète, maman. Tu veux dire que ma vie est incomplète? Bah, je veux pas te juger, maman, je te jure, mais... T'es une super maman. Mais c'est tout. Pour le reste... Tu veux que je te fasse un thé? J'adore le thé avec le miel. Tu veux que je te rajoute un Kit Kat miniature? J'adore les Kit Kat miniatures. Ma chérie, si je suis juste une maman et que t'as bientôt, enfin dans 2 ans, t'as 18 ans et que tu t'en vas, je suis quoi une fois que t'es partie? Ben, je sais pas. Il y a sur cette
Croix bleue, un objet qui va tomber. Lequel? Un tambour. Une boule discothèque. Allez, une boule discothèque. Quoi? Parce que les cochons se roulent dans la boue. Les mecs, vous avez commandé déjà? Ouais. On a déjà commandé. Ah, vous étiez dehors? Ouais. Ah, moi j'étais dedans. Ah, on filmait. Ouais, c'est ça. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? 10 ans. Vous êtes vraiment mes meilleurs amis et j'ai quelque chose à vous annoncer. Ok. Ouais. Je vais me marier. Wow. Oh, si. C'est pas possible. Oh là là. John, Simon. Pierre. Oui. Pierre. Simon. Qui va te marier? Oui. Avec qui? Rebecca. Rebecca. Ah, oui. Rebecca. Pierre, Simon. Ouais. Hey. Pierre. Voilà. C'est pas possible. Si. Et vous savez pourquoi j'ai attendu si longtemps? Non. Pourquoi? J'ai jamais compris. Non, jamais. C'est un mystère pour moi. J'ai mis du temps à trouver une femme qui m'acceptait tel que je suis. Enfin, tel qu'on est. Hey, souvenons-nous, il y a longtemps, quand on était... Le grand méchant loup, tout à l'heure, lui profitons de cette mare. Et du coup, je suis sorti du flashback avant vous. Ouais. J'ai quelque chose à vous dire, hein. Quand on fait des flashbacks, moi, je sens toujours en vous. C'est vrai. Tu te rappelles la fois où on a dîné? Oui. Oui, bien sûr. Vous savez, je pourrais manger n'importe quoi. Oui. Je me rappelle très bien. Moi, je trouve alors. Donner de la confiture aux cochons, c'est vraiment non, quelque mais... chose de... Merde, j'étais encore dans mon flashback. Hey, c'est toi, hein. Tu vas te marier. Ouais. Vous vous rappelez de la première fois où j'ai vu Rebecca? Regarde, Pierre, une femme. Oui, je me rappelle bien. Attends un peu. Ah oui, elle est belle. Hein. Les gars, j'ai pas envie de retourner dans le présent, j'ai envie de rester... Est-ce que je peux venir? Ouais, si tu veux. Ok. Écoutez. J'ai envie de rester dans ce flashback. Oui. Bah viens alors. Toujours. Ouais. Je pensais la même chose. Je vous laisse dans le bar, les gars. Okay. Je reste dans le passé. Reste. Salut, hein. Bonne chance. Ça marche. Et là, on est parti. Tu sais, ces mecs, c'est mes potes. Ouais, je sais. Mais on est bien ici, toi et moi, non? Ah. Ouais. Mais il y est vraiment, hein. C'est fou, hein. Qu'est-ce que tu faisais toute seule sur cette plage? Je jetais des cailloux dans la mer. T'étais pas en train de creuser à un moment? Si. Tu creuses les cailloux et tu les rejettes dans la mer? Exactement. C'est ma passion la plus intime. Tu es une libératrice de cailloux? Oui. Maman! Tu fais qu'à me raconter tes souvenirs, c'est quand l'histoire des petits cochons qui se roulent dans la boue? Attends, là, je suis au moment de la rencontre avec ton papa. Moi
suis perdu entre deux flashbacks. Qu'est-ce qui est froid? La glace ou mon cœur? Les mains! Les mains froides! Scalpel! Eh bien oui, scalpel alors! Où sont nos assistants? Veuillez surtout à mettre les gants à la grande Olga, c'est elle qui va débuter cette opération à cœur ouvert. Ah mais vous n'avez pas encore vos gants, ben je... You're the new girl. Yes, I am. What the gloves. Rachel, what? The gloves. I am. Yeah, okay. Sorry. That was perfect. Thank you. Scalpel. You're not perfect. Okay. Il est prêt. He's ready. Music, maestro. Oh. Wait, wait. We didn't warm up your hands. Oh, we don't care. About your hands? But if they are cold... I have the cold hands. Les mains froides. En médecine, cela me confère le droit de toucher ce que je veux, car tout ce que je touche n'est pas touché. She has the cold hands. I have the cold hands. She has the cold hands. Propriétés azotées de ses mains en font une chirurgienne de renom. Elle glace tout ce qu'elle touche. Délivrée. Délivrée. Son état est stable. Libérée. Nous sommes déjà à 5 mètres. She has the long hands. She has the long hands. Elle seule connaît le chemin qui va de l'intestin au cœur. I can feel it in my bones. Je peux le sentir dans mes os. Et quand elle met ses mains en moi, je me sens bercé. Oh oui. Je retrouve le doux. Voilà. Oui. Voilà. I got it. In my cold hand. Which hand is it, Rachel? Oh, both. This one. You lose. She loses. I have the cold hand. Le jour où... J'ai rencontré mon père. J'ai perdu une dent. J'ai été à l'école. J'ai vu le soleil. Le jour où j'ai été à l'école. Alors voilà. Voilà, je voudrais m'inscrire à l'école pour la première fois. Je n'ai jamais été quand j'étais plus jeune. Oui, très bien, voilà. Mais c'est-à-dire vous voulez aller au cours de CP alors oui. Que vous avez... J'ai 65 ans. Oui, très bien. La plupart des gens, ils passent plutôt directement le bac, mais vous, vous voulez le CP, oui. Vraiment? Oui. Eh bien, très bien, écoutez, eh bien, voici la classe. Allez-y, bon courage. Hein. Merci. Ben, c'est moi la professeure, j'avais oublié. je suis directrice de l'école et professeure, c'est une petite école. Oui. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre la base des mathématiques, d'accord? Oui. 1 plus 1. Ah oui, on part de loin, d'accord. Alors, on essaye comme ça. Là, il y a combien? 1. Ok. Là, il y a combien? 1. Et donc, les deux ensemble? 1, 2. D'accord. Sinon, on va faire un petit peu de lecture.
D'accord ? Ouvrez vos livres, page 12. Vous n'avez pas de livre ? Non. Ah, bon, ben, tenez. Page 12. Merci. Mais peut-être, comme vous avez tous déjà un certain âge, certains d'entre vous savent déjà lire. Moi ? Je sais bien. Ah, allez-y. Ah. Le mathématique, c'est très important. Les chiffres sont la base de toute la vie. Si vous connaissez les chiffres, vous connaîtrez tout. Wow. Connaîtrez tout. Wow. Bravo. Oui, merci bien. Ça m'émeut beaucoup, vous savez. Nous tous et toutes, on n'a pas eu l'occasion d'aller à l'école. Non. Et c'est beau de nous voir tous ensemble réunis. It's very nice to see all of us reunited. Là, I can speak English. So good. Yeah, now we can do our first English lesson. Oh yeah. Yeah. Thank God, because I did not speak French. So you're very good. Okay. So good. Good. I am 65. Yeah, that's the most complicated rule in English. C'est la règle la plus compliquée en anglais. Ah. When you say your age, you say je suis. I am. Ah. Like if in French you would say je suis 65 ans, ah. Ce qui est vraiment ridicule, mais bon, on va pas les juger. Tous les écoliers s'endorment. C'est la nuit. It's the night. You have to sleep. La maîtresse va désigner un écolier qui ne pourra pas rester. L'éducation nationale a parlé. L'élève a été choisi. Il n'a plus les moyens de payer sa scolarité. Les élèves se réveillent. Vous pouvez sortir de la classe. Oh. Hey, monsieur Watteau, comment vous avez... Adieu tout le monde. Oh, non. On dit beaucoup. Pendant la nuit, j'ai entendu du bruit par là. Je pense que c'est lui. C'est pas moi. C'est lui, l'inspecteur de l'éducation nationale. Vous allez pouvoir voter et éliminer un autre élève qui partira également aujourd'hui. Il y a des coupes budgétaires. J'ai tiré la carte de la petite fille. Bah oui, oui. J'avais compris. Oui. Voilà, je tenais juste à le dire. Eh bien, vous allez voter pour éliminer l'un d'entre vous. Ah oui. Qui n'aura plus la chance d'avoir une éducation? Bah lui. Mais elle. Lui. Oui, bah, les élèves ont voté. Un élève de plus. Il était le plus intelligent. Ah, mauvaise pioche, les élèves. Et les inspecteurs de l'éducation nationale ont gagné. Ah, bonjour, bonjour. Hello, you are American? Yes. You're tourists, yes. Yeah, yeah. This is our house here. This is where you are staying. Yeah. Wow, that's amazing. Thank you. Thank you. You do speak French? No. No. Mary. Name? Paul. Paul. Claude. Paul. Claude. Nice to meet you. Yes, your name? Megan. Megan. And I'm Josie. Nice to meet you. This is a really nice Airbnb. It's a chateau. Hi, so nice to see you and meet you together. I'm Monica. It's okay. Okay. Yes, yes. You're teeny. Yes, like a flower. It's so nice for us to be in a chateau in France. Oui. So, did you cook a specialty, a French specialty? Oh, oui. Which one? Tell them what we made. Oh, yeah. Again. Oh, yes. Le poulet, quand on a fait fondre.
in France, Warren? For tourism. Yeah. And we love Auvergne. Yeah. 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 Auvergne is great. Yeah. Yeah. Auvergne. Auvergne. Yeah. We want. There is a magazine about Auvergne. Yeah. Yes. And I love it. Yeah. And we really want to eat cheese. Si vous les volcans d'Auvergne, j'adore. Et bien, et bien. Vous voulez aller voir le volcan? Yeah. Allons, allons, allons. Tout de suite, on va là. Oh wow. Oh my God. Is this Vulcania? Ah oui. 20 minutes plus tard. Ok. Oh. On y est. Oh my God. Derrière cette porte, qui? Un témoin de Jéhovah. Oui? Bonjour. Merci de m'avoir ouvert la porte. Je viens représenter la salle du royaume la plus proche de chez vous. Je m'appelle Andrea. Enchantée. Andrea. Vous êtes la première personne qui m'ouvre aujourd'hui. Ça va, monsieur? Vous voulez... Ben, rentrez. Vous voulez boire quelque chose? Oh, si vous saviez combien de portes j'ai ouvertes et toquées. Rien ne s'est passé. Cela fait 3 mois que je n'ai pas revu une porte s'ouvrir. Ben, je suis contente pour vous, enfin, de vous avoir ouvert. S'il vous plaît, de l'eau. De l'eau, oui. Ah, mais ça fait 3 mois que vous n'avez pas bu, du coup. Oh. Laissez-moi vous raconter l'histoire du témoin de Jéhovah. L'homme qui frappa 167 portes avant qu'on lui ouvre. Vous êtes donc prête à écouter ma parole? C'est-à-dire. En ce temps-là, on ne se parlait plus. On était sur les réseaux. Je vois que vous avez un ordinateur ouvert. Vous avez été contaminé par le mal. Quoi? Oui. Enfin, je travaille... Non, ma réunion. Quoi? Ah! Votre... Cela a irrité beaucoup Jéhovah. La nouvelle dalle que vous allez avoir chez vous maintenant est un livre. Comme un laptop, il s'ouvre. Un livre? Mais enfin, ça fait des années que... Que vous n'avez pas lu? Ben non. La femme ne savait plus lire. Elle avait oublié. Et
mais c'est difficile, il n'y a pas de rétroéclairage là, enfin, je vois quasiment rien. Il faut utiliser son doigt et aller de gauche à droite. Ici, premier verset. Ils arrivèrent pleins d'espoir en Béthanie. Oh, voici la Béthanie. Regardez, il y a encore de l'eau. Oui, ils ont plein d'espoir. Alors ça veut dire qu'il est passé par là. Oui. Installons-nous. C'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais pas lu, mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Le Messie leur apparut derrière un fourré ardent. Le Messie? Le Messie. Look, un fourré ardent. A burning tree. La mission est terminée. Vous allez partir? Oui. En espérant que quelqu'un d'autre vous ouvre. Vous savez, nous les témoins de Jéhovah, nous n'avons qu'à convertir une seule personne. Et puis nous mourrons. Un vêtement que vous portez vous-même maintenant. Votre body, je vais garder un body, merci, vous êtes formidable. Un body, il est comment votre body? Il est noir avec de la dentelle noire. Oh my god, ok. Un body noir avec de la dentelle. Chérie, je te trouve magnifique. I don't feel comfortable. I'm sorry. Clack, 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 clack.
C'est pas une grande chaise. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel, super. Nous les géants. Nous allons faire la prochaine scène à la manière d'un film d'Alfred Hitchcock. Pour cela, je vais vous demander un objet du quotidien qui pourrait être une arme. Un parapluie. Je sors pendant quelques minutes. Ok chérie, pense à prendre ton parapluie. Oui. Peut-être, oui. On a toujours besoin de beurre. Ah oui, c'est vrai. Le beurre, c'est... Peut-être du jus d'orange, quelque chose comme ça. Alors, comme ça, vous avez rencontré mon mari par hasard. Oui, tout à fait. J'étais sous la pluie et... Et il vous a invité à dîner chez nous. Exactement. Très bien. Eh bien, j'ai mis un rôti au four. Chérie, on va dîner. Ok, j'arrive. Cela fait longtemps que vous êtes ensemble? Oui, très longtemps. 12 ans. 12 ans? Oui. Je vous en prie, installez-vous. Le rôti va bientôt être prêt. Merci, c'est très aimable. Vous ne m'avez pas dit comment vous vous appeliez. Ah bon? Je ne crois pas. Eh bien, Sandra. Sandra. Thank you.
moi, je suis Philippe. Et pourquoi n'est-il pas rentré, donc ? Parce qu'il est au bar. Et c'est quoi, pardon ? Oh, waouh ! On avait un peu... On lui a volé son nom. Oh, ok. Non, mais waouh, ok. Donc, il n'est pas rentré parce qu'on lui a volé son nom. Ah, je suis désolée, je vais rester au travail, mon amour. Mais pourquoi ? Il est 22h30. On m'a volé mon ombre. Quoi ? Mais qui a pu te faire ça ? Mon chef. Mais Peter, écoute, tu m'avais dit que c'était la dernière fois. Il n'a pas aimé ma réflexion lors de la réunion des objectifs annuels. Oui. Alors il m'a volé mon nom. Écoute, Peter, tu as décidé d'être un grand garçon maintenant, d'être un homme. Mais c'est-à-dire que mon manager, Jean-Michel Crochet, n'est pas très facile à gérer, mon amour. Tu dois te faire respecter, Peter. Écoute, Wendy. On n'est plus au pays imaginaire, d'accord ? Tu m'as mis le grappin dessus. Oui. Tu m'as fait te faire deux gosses. Maintenant, si tu veux qu'on puisse partir à la boule cet été, il faut bien que l'un de nous gagne son pain, d'accord ? Et si ça nécessite que Crochet prenne mon ombre, eh bien, je la lui laisse. Mais ton ombre, c'est ton humanité. Non, Wendy, non. Mon humanité, c'est ma performance. Mais tu vois que en performance maintenant, tu vois que en chiffres. En... Je suis à deux doigts d'obtenir une promotion, Wendy. Deux doigts. Et moi, je suis à deux doigts de repartir. Où ça ? À Neverland. Quoi ? Non. Je vais repartir sans toi. Non, Wendy, non. Si, non. Si je vais repartir maintenant. Non, Wendy, ne fais pas ça. Je vais repartir maintenant. Attends-moi. Et je ne rentrerai pas. Non, Wendy, ne va pas aller voir l'autre chose. Je vais partir, d'accord ? Non. D'accord ? J'y vais. Messieurs, pour la prochaine scène qui sera également la dernière, pourriez-vous me donner, s'il vous plaît, un mot qui commence par la lettre K ? Oh, wow.
amis. Ok, pause. Pause, pause. Un mot inspirant. C'est bon. Un canard. Bye.